Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et la dernière certainement de Zelda Link's Awakening. On va aller faire éclore l'œuf. Donc on va utiliser notre ocarina et on va jouer la petite musique. Et voilà, l'œuf a éclos. Le poisson rêve t'attend. Entre dans l'œuf. Donc je me suis muni du petit chemin qu'on avait pris en photo. Je ne sais pas si vous vous rappelez dans la bibliothèque, dans le livre. Parce que dans l'œuf, faut que je plonge là. Ouais. Je vois pas d'autre. Voilà. Donc c'était droite. Ensuite, trois fois haut. Trois fois haut, c'est ça. Donc une fois. Deux fois. Trois fois haut. Ensuite, deux fois gauche. Et deux fois haut. Donc une fois. Deux fois. Montez. Montez. Voilà. Et bah je suppose qu'on va attaquer le boss. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, tu nous battras jamais. Tu nous battras jamais, donc ils sont plusieurs. Qu'est-ce qu'on va se mettre? On va se mettre la poudre. Qu'est-ce qu'on a comme boss là? Ouais. Alors. Est-ce qu'on peut le taper? Hop là, il saute. Bon, on peut pas le taper déjà. Alors attendez. Je vais le calmer. Je pense que je vais le calmer avec ça. Et on va se mettre ça au cas où. Oh là. Oui! Attends. Oui. On l'a eu? Je sais pas. Ah, bonjour. Oh punaise. Ouais, bon, on peut pas renvoyer avec le bouclier. Ah, par contre avec l'épée ça marche bien. Ouais. Bon, c'est pas mal, ça va. Ah, oula, ça. Oupla, ça, à mon avis. Ah non, raté. C'est trop tôt, beaucoup trop tôt. Oui. Non, toujours pas mort. Hop là. Ah, ça m'a touché, le retour. Retour de flamme. Ouais. C'est bon, on l'a eu. Ouais, c'est bon. On a quand même perdu 4 vies. Qu'est-ce qu'on a maintenant? Ah, ça. Oh, bon, ça va. Attention. Ouais. Ouh. Ouais, bon bah ça va. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oula. Ouh. Ouh, ça fait mal. Ah, je me bloque en plus. Attention. Ouh. Allez, prends ça.
Ouais, moi j'ai ramassé aussi. Mince. Il nous a fait mal lui. Hein. Je vais le mettre par là. Hop. Attention. Hop. Non. Non, j'ai pas eu le temps de taper. Ah si. Attends, attends, attends. Ouais. Hop. On va ramasser là. Ouais, on l'a eu. On a pris cher. On a pris cher. Ouais. Je vais peut-être attendre. Je vais peut-être prendre ça. Je vais pas prendre de risque. Oh. Wow. Il nous fait quoi lui? Bombe. Peut-être la bombe. Peut-être le X. Oui le X. Oui oui c'est bon. On est en train de mourir. Est-ce qu'on utilise ça? Ok, c'est bon. On l'a eu, on l'a eu. Oh, j'aime pas ça. Attendez, déjà ici. Ouais. On a plus de vie là. Ah, on a plus de vie. On est mal, on est mal, on est mal. Oh, faut des flèches, absolument. X. Ah, mais j'arrive pas. J'arrive pas à sauter. Il y a encore... Ah, cette île va disparaître. Notre monde va disparaître. Notre monde. Notre monde. On l'a fini, là ? T'es chaud, celui-là. La dernière forme était dure. Hein. J'arrivais pas à sauter par-dessus les tentacules. Link, tu as vaincu Maleficio. À présent, monte les escaliers. Oh, il nous restait plus qu'un cœur. J'avais même pas vu. J'espère qu'il n'y a pas autre chose derrière. Hein. Mon garçon, non, maître Link, tu as anéanti les monstres, tu as fait preuve de force, de sagesse et de courage, tel un véritable héros. Je suis l'un des esprits du poisson rêve. Mon rôle est de protéger son monde onirique quand il dort. Hélas, un jour, le cauchemar s'insinua dans son rêve, menaçant la paix de l'île. Mais toi, maître Link, héros de l'éveil, tu demandes notre espoir. J'ai toujours cru en toi. Je savais que tu vaincrais le cauchemar, prouvant que tu abritais en toi le courage. Merci maître Link, ma tâche est à présent accomplie. Il me faut réintégrer le poisson rêve. Adieu. Oh. Et voilà le poisson rêve. Je suis le poisson rêve. Long fut mon sommeil. Dans mes songes, un œuf apparut. Puis une île entoura des gens, des animaux. Un monde était né. Mais un rêve a toujours une fin, c'est le destin. Quand je me verrai, Cocoline disparaîtra. Toutefois, le souvenir de cette île perdurera dans nos cœurs en tant que réalité. Toi aussi, un jour, tu te souviendras. Peut-être est-ce ce souvenir qui est le véritable monde onirique. Merci. L'heure est venue, Link. Éveillons-nous ensemble. Joue la chanson de l'éveil.
Et voilà, on a terminé le jeu. Quelle merveille. Enfin, on l'a pas terminé à 100% parce qu'on a pas mal de coquillages qu'on n'a pas trouvé. Mais bon, je le ferai hors ligne sans vous le filmer parce que c'est pas franchement intéressant les chasses coquillages. On cherche, on fouille, donc voilà. Bah, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, bah, lâchez-moi un gros pouce bleu et on se retrouve très bientôt pour que je vous donne mon avis sur ce jeu que j'ai terminé. Allez, salut tout le monde.